Donc nous sommes sur le tournage du clip Ayessa, la chanson tirée de l'album Sève. Donc je suis José Nyokawanga, je représente ici Prozal, qui est la société de production et d'édition de Zaïko Langalanga. Donc nous sommes derrière ce tournage pour s'assurer justement que ça puisse bien se dérouler. Aujourd'hui je réalise le clip de Zaïko Langalanga, la chanson Ayessa, une très belle chanson. Que j'ai écrit l'histoire et je le réalise avec le cadreur Stan Toya et l'équipe. Nous avons Nathan qui s'occupe du casting et d'autres amis qui sont là. Voilà. Donc le public m'a vraiment bien parce que ça équipe m'a réussi à m'énorme et penser. C'est un professionnel donc ma caméra solo, ma professionnel, ma caméraman vraiment ma professionnel donc les équipes m'ont pris dans un moment d'ailleurs ça bien ils ont la planète locaux. Je m'appelle Stan Toya, je suis caméraman dans ce projet. Là, nous sommes en plein tournage, le deuxième jour du tournage. On vient de faire la partie du présent Jossa. Et là, on sort pour l'extérieur pour continuer. Quoi. Synopsis est que. Ah, et ça, premièrement, la voix que vous entendez, les sons. Donc c'est ma voix, la voix lead que vous entendez là. Donc c'est ma voix. Donc là je joue comme l'acteur principal. Je suis à la recherche d'une femme, donc c'est ça. C'est pour cela que je suis parti chez Papa Jossard comme sage du village pour me conseiller. Avant cela, j'étais parti chez le parent pour chercher ma femme. On m'a refusé, on m'avait chassé. Donc là, je cherche des pratiques, des tactiques. Qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher la femme? Donc c'est ça. Donc mon rôle, c'est l'acteur principal, le mari qui cherche sa femme. Je joue le rôle de la jeune mariée. C'est un mariage coutumier, pardon, que je vais tourner. Il y aura mon père ainsi que mon futur époux. Je vais avancer avec une forme de calebasse que je vais donner à mon père et c'est comme ça que la cérémonie de mariage va commencer. Mon rôle dans le clip Ayessa, je suis le papa de la fille. La fille qu'un jeune homme vient déranger. Monsieur Ayessa, c'est un grand homme de la ville et comme ça se passe chez nous au Congo, en Afrique, On chante pour les grands, on honore les grands. Et donc le chanteur, Vaugirard, Gérard, interprète joue le rôle du fiancé, du copain de la fille de Monsieur Ayessa. Et c'est un peu ce qui se passe au pays. C'est dommage, c'est ce qui se passe au pays que les gens de la classe d'en bas doivent un peu essayer de louer les grands pour... Non, Ayessa est un peu dans le folklore, on a vu ce mot. On a rebêté en haut, on a un peu de temps, 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 ça va, on a un peu de temps, 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 en tout cas, on a un peu de temps, 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 après, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Et c'est pourquoi j'ai dit lui chasser de chez moi pour qu'il ne vienne plus déranger ma fille. Mais s'il veut bien qu'il vienne comme monsieur qui vient chercher la mère d'une fille, et là il sera accueilli. Et le sage va lui donner des conseils comment faire pour convaincre monsieur Ayessa de lui donner la main de sa fille en chantant, en dansant pour lui, et voilà. Et c'est ce qui va se faire. Monsieur Ayessa va donner la main de sa fille au jeune homme. En tant que chanson, il y a les instruments qui jouent là. C'était une chanson folklorique que nous, on a interprétée. Eh bien, les instruments qu'on a introduits là, c'est
Super. Nabini nakati ya clip oyo Aïssa. Na sali lisusu mama songi songi ya quartier. Yaya moko au kindo ko bala en plus o bala nani ndundu. Eza pe likamba ko seka makase to na fit moko ya danger. Clip o Aïssa eza clip mo eza clip mo kitoko makase. Anyo kwa mi makase po azwa mwana mwasi o ya ndundu o. Mesuka suka na ngwa sai nini alongi don eza esengo na biso. D'abord, j'étais surprise hein, quand elle choisit moi parce que je sais pas, d'habitude on n'a pas vraiment. Bon, je dirais d'habitude, les gens n'ont pas tendance à, voir des personnes de ma couleur, par exemple, à passer dans des clips vidéo. Et quand on a fait appel à moi et puis on m'a dit que je vais jouer à la jeune mariée, j'étais vraiment tiquée. J'étais très surprise. Mais après, je me suis dit que ça peut être. Un coup de changement, de voir aussi, de montrer aux personnes que les personnes des couleurs aussi peuvent aussi passer et jouer aussi à des rôles tels que le mien que je vais jouer, comme une jeune mariée, voilà. J'ai aimé participer à ce projet parce que c'est une histoire qui parle de nos ancêtres, de notre culture, notre façon d'épouser les femmes, avec... comme artiste, le vieux Jossard et ses artistes et l'orchestre entier, c'était un bon projet. Il fallait vraiment travailler dessus, trouver le personnage, créer, aider le réalisateur à faire ce beau travail. C'est vraiment un bon projet que j'ai aimé participer. Bon, dans le clip, on a joué un rôle à maman. On a joué un rôle à maman. Bon, moi, je suis un calan, je suis un musicien, je suis un calan, je suis un calan, je suis un calan. Bon, avant d'aller à l'Ibanda, je suis un calan, je suis un calan, je suis un calan, je suis un musicien, je suis un calan. Moi, je suis un calan, je suis un clip, je suis un calan, je suis un calan. Quand on a l'équipe ou un vélo, on a ce pays quoi. Et puis ça, il y a un calan, on a un calan, on a un calan. Dans la famille à Mobali, on a Esaloma, dans la famille à Esaloma. Famille à Mobali. Bon, on m'a appelé chez Harry Saloko, le dessinateur. Il est parmi aussi les acteurs qui ont joué dans le clip. Il m'a appelé pour maquiller les acteurs aussi. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée ici. On a aimé le cheveu, mes cheveux naturels en fait. On m'a dit que non, les cheveux vont aller avec les demoiselles d'honneur. C'est pour ça qu'on m'a mis parmi les demoiselles d'honneur. Mon rôle ici, c'est de donner vie à cette histoire. Je suis une famille, moi c'est Sengaki, donc nous sommes de Pessi. Dans les lots de moi c'est tout ce qui est là. Dans les lots de mariage. Donc, je suis un peu donc plaisir à trop. Je suis un peu raté, je suis un peu. Donc, les lots de souka dans mon colo. Dans tout ça, je m'occupe d'une certaine manière du management du groupe. La société Prozal étant la société de production et d'édition de Zaïko qui a été créée depuis 1981, que j'ai eu à reprendre et à réinstaller la succursale au niveau de Paris. Paris à partir duquel on s'assure justement la promotion du groupe sur le marché mondial, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique, l'Asie, dans le cadre d'un projet de renouveau du groupe que nous voulons suivre justement au courant de ces 3-4 prochaines années. Ce qui m'a intéressé dès le départ d'abord, c'est parce que je savais que j'allais tourner auprès d'une légende de la musique RD congolaise. C'est une icône, c'est une légende. Travailler près de lui, c'est vraiment une fierté pour moi. Ça reste dans les annales, c'est historique. Ça va entrer dans mon histoire. C'est bien vraiment de travailler avec de grands. Et voilà, on a voulu mettre notre intelligence sur ses services
par rapport au casting, les personnages, le script, le suivi du réalisateur, tout le travail bien fait. Vous étiez témoin, vous avez vu ce qui se passe. On ne peut pas beaucoup parler, c'est vraiment un bon projet. Vous aurez à voir la finition. Moi, je suis un amoureux de la culture. J'aime la culture, j'aime la musique congolaise. Et Zaïko fait partie de ces groupes légendaires. Et voilà, c'est faire l'histoire, participer dans l'histoire de la musique congolaise en travaillant avec le groupe Zaïko. Donc voilà, c'est en tant qu'amoureux de la musique congolaise, amoureux de la culture, un enfant de la rumba, et je suis content et heureux de participer et de travailler avec une légende comme Yann Jossard. Message d'appel à la public, bata la clip à ça. Bayo kayango, bata la yango, ezali coutume nabiso, l'être en arobala. Bata la yango, basavoure yango, c'est purement africain. Voilà, c'est ça. J'informe au public et aux fanatiques de Zaïko que ce clip de cette chanson sort bientôt. Consommez à Yessa, il y a de la bonne musique et puis il y a des bons clips. Adoubez-nous.